Je m'appelle Lucile Lajalilovic, je suis réalisatrice de films, de fiction. Voilà, et j'écris aussi mes scénarios. En général, je les écris avec d'autres. Donc voilà, je serais ce qu'on appelle une auteure réalisatrice. Ce qui me plaît d'en faire des films, ce qui me passionne, c'est de créer des univers. Des univers qui sont visuels et sonores, qui ne passent pas nécessairement par le dialogue ou par des actions au sens classique, et de faire entrer des gens avec moi dans cet univers. Voilà, je dirais que c'est ça en fait. Donc c'est des images, c'est des personnages éventuellement, c'est des situations. Voilà, ça vient comme ça en fait, au départ par petites touches, comme un pulse, et puis j'essaye d'assembler le pulse pour qu'il y ait une narration en fait. Je pense que c'est quelque chose que j'aime moi en tant que spectatrice dans les films. J'aime bien qu'il y ait une part qui m'échappe parce que je trouve que ça reste plus longtemps dans la tête après. On essaye de mettre le plus ensemble et ça, oui, et du coup on se l'approprie plus le film, je trouve, plutôt que quand on vous donne tout. Donc là, il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui n'aiment pas, qui veulent être sûrs d'avoir compris ce qu'il fallait comprendre. Mais je pense que les films, ils appartiennent aux spectateurs et c'est génial quand on les fait siens et qu'on y projette de soi dedans, quitte à peut-être avoir une interprétation des choses qui n'est pas celle de l'auteur, mais ça, c'est pas grave en fait. J'aimais bien que le cadre soit fixe et qu'on ne soit pas en caméra portée ou à l'épaule, où on aurait pu être fixe, mais avec le cadre un peu qui vit. Mais là, c'était vraiment un désir aussi, pareil, de pour faire éprouver cette sensation d'enfermement, de pression. Le fait qu'on soit beaucoup dans des lieux fermés, ça se prêtait aussi à des plans fixes, quoi. De toute façon, quand on est dans le café, dans l'appartement, à l'hôpital, c'est un monde vide, en fait. L'appartement est vide, il n'y a pas beaucoup de son, il n'y a pas beaucoup de paroles, il n'y a pas de figurant, quasiment, dans le café, etc. Donc, il y avait un côté de le vide, on trouvait ça intéressant, et du coup, ou le minimalisme, en fait. Pour moi, la matière, elle est très mentale en fait. Ça rend les choses plus intérieures et mentales, au contraire de l'image lisse, numérique. J'avais besoin de cette matière, de cette patine en quelque sorte, pour rendre réelles les choses. Donc avec Jonathan Rigbourg, qui a fait la lumière et le cadre, on a parlé de ça et il était très partant justement pour trouver un grain qu'on a travaillé aussi à l'étalonnage. J'aimerais dans l'absolu avoir des acteurs qu'on ne connaît pas, parce que je trouve que c'est plus mystérieux, on sait moins à quoi s'attendre, etc. Voilà, je ne cherche pas la performance, je cherche plutôt à quelqu'un que je trouve touchant et après qui va être charismatique à l'écran. Par exemple, dans Earwig, effectivement, le personnage principal, c'est Albert, il devait avoir quelque chose de très particulier, de bizarre, de maladroit, de raide et en même temps de touchant, et j'espère qu'il l'est touchant. Même s'il est aussi bizarre. À partir de là, voilà, je me suis dit, c'est aussi que ça se passe en huis clos beaucoup, ça se passe dans un lieu comme une espèce de bulle isolée du monde, mais c'est isolé du monde parce que d'une certaine manière, on est dans sa tête à lui, en fait, c'est mental, c'est un univers mental, c'est comme un rêve ou un cauchemar plutôt. Et du coup, comme je me suis dit que c'était bien de faire une sélection de sons et que l'absence de plein de sons allait être oppressante, c'est pas la réalité, il manque plein de choses pour que ce soit vraiment le monde normal. Et aussi, c'est un film dans lequel il n'y a pas beaucoup de paroles, surtout pendant les 20 premières ou 30 premières minutes du film. Donc du coup, il y a du silence et que le silence on devait ressentir le silence. Donc on a joué sur cette balance d'amplifier plein de sons, et notamment des choses de présence, de toucher, en effet, et de faire aussi, de créer un monde avec cet appartement dans lequel ils vivent, avec chaque fois, dans chaque pièce, un son récurrent qui revient, etc.